Je m'appelle Eric Hanna. Je viens de Regina, Saskatchewan, en Canada. Et en 2009, je suis entré à la Compagnie de Jésus. Nous sommes ici à Jamaïque, la ville de Kingston, et c'est Campion College, une des plus vieux écoles secondaires en Kingston, fondée par les Jésuites. Maintenant, je suis enseignant d'école secondaire ici à Campion, en Jamaïque, et c'est au niveau secondaire 5, c'est équivalent de secondaire 5, et c'est un cours de religion, mais ce n'est pas exactement une catéchèse catholique. Le catholicisme, c'est une religion minoritaire en Jamaïque, donc c'est vraiment important d'avoir un dialogue entre les différentes dénominations chrétiennes et avec les autres foi. Ce n'est pas juste les étudiants qui apprennent beaucoup, c'est moi aussi. Les étudiants dans les écoles secondaires ne sont pas vraiment intéressés avec la religion et les choses de justice et foi. Donc j'ai pensé à une méthode de captiver l'imagination. Donc j'ai dit, c'est quoi la justice dans la perspective de Batman? C'est quoi la justice dans la perspective de Superman? Et tout le monde comprend. Et maintenant il y a un dialogue. C'est quoi la justice? Et les étudiants me disent, c'est quoi la justice? Et j'ai appris beaucoup. C'est quoi l'expériment lent? Maintenant, je suis novice dans la Compagnie de Jésus. Et pendant le noviciat, il y a différents expériments pour pratiquer comme jésuite, pour grandir dans la foi et dans les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Et l'expériment long, c'est 4 mois dans un lieu différent culturel de le lieu de Canada, de Saskatchewan, dans lequel je suis né. Donc, je suis ici, à Kingston, en Jamaïque, pour apprendre comment faire comme membre d'une communauté jésuite, pour apprendre comment faire comme un professeur, et aussi juste de grandir dans le froid. La communauté. J'habite ici dans une communauté jésuite qui s'appelle Patrick House et je sens vraiment chanceux d'être ici. C'est un mix de différentes cultures. Un membre de la communauté vient de Guyana, au Zimbabwe, aux États-Unis et bien sûr les Jamaïcains habitent ici. Et je suis le seul Canadien. Mais je sens vraiment à l'aise, je sens chez moi, je sens avec la liberté de m'exprimer, et même si avec mes excentricités, je suis confortable. Et je suis très chanceux d'être dans un lieu vraiment beau et avec le support de la communauté. Si j'ai besoin d'aide, je peux demander.